L'actualité de ce jeudi 25 juin, marquée par la forte mobilisation des chauffeurs de taxi dans la métropole illoise, les perturbations ont été assez importantes sur les autoroutes. En début de matinée, les chauffeurs de taxi avaient annoncé ces opérations escargots. Ils se sont ensuite rassemblés aux abords de la préfecture de Lille et des gares. L'aéroport de Lille à Léquin n'a pas échappé au blocus. Uberpop, c'est l'application mobile qui provoque ce mécontentement. Les chauffeurs de taxi mettent en avant une concurrence qu'ils jugent déloyale et craignent la mort de leur profession. Atmosphère tendue donc ce matin dans le cortège, parfois victime de projectiles, c'est ce qu'ont pu constater nos journalistes. Je propose d'écouter le président de l'Union nationale des taxis du Nord, interrogé par Rémi Pem. On est malheureusement obligé de faire ces actions. Hein, vous voyez, c'est malheureusement on est en 2015 et on est encore obligé de faire des actions comme des primaires. Hein, et c'est ça qui est désolant. Pourquoi le gouvernement ne nous a pas écoutés alors que pendant un an on a fait toutes les étapes nécessaires? On est allé voir plusieurs fois le préfet. Au niveau national, on a fait tout ce qu'il fallait au niveau des procédures. On peut pas aller plus loin. Je veux dire, là, on a malheureusement essayé tout ce qu'on pouvait faire avant. Et malheureusement, on est obligé de faire la manif avec, malheureusement, les conséquences qu'il peut y avoir sur une manif.